Il fallait que je vous parle de politique française. Cet ovni que, paraît-il, le monde entier nous envie. Et c'est vrai que nous avons été particulièrement gâtés, nous Français, ces 20 dernières années. Tout d'abord, nous avons eu le turbulent Nicolas Sarkozy, qui se voulait le nouveau Napoléon français et agissait plutôt comme un Joe Dalton bien énervé. Après de longues années studieuses, a mis au point un élixir. Il va taire, ouais. Ensuite, nous avons eu le président normal, François Hollande, tellement normal que c'était un peu l'homme invisible qui ressemblait plutôt à Obélix mais sans la potion magique. Et enfin, l'apothéose, Saint Macron, l'idole de toute une génération, qui mena la guerre contre le Covid sans même avoir fait son service militaire. Quelle prouesse! Kim Jong-un est terrifié en Corée du Nord, je peux vous le dire. K-pop Kim Jong style. Kim Jong style. Walking Kim Jong style. Mais revenons un peu en arrière sur l'ascension fulgurante, que dis-je, météorique, qui n'est pas sans rappeler l'ascension de Lindenberg. D'abord, fringant ministre de l'économie, qui déjà à cette époque disait tout et son contraire, souvent dans la même journée. Il terrassa, poignarda dans le dos son mentor François Hollande à la manière d'un Brutus. Pusillanime, que ces imbéciles sont des mortels, très mortels même. Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. Pour lancer sa campagne présidentielle. Mais quelle campagne! Des entretiens dans toutes les télévisions, des centaines de couvertures, de magazines, de journaux, à la manière des meilleures heures de la presse soviétique. Notre beau et grand leader Maximo, ou Jupiter selon la ménagère de plus de 60 ans, nous casse les pieds, dirige la France pour notre plus grand bonheur, grâce à sa modestie légendaire et à son sens de la diplomatie, tout en subtilité. Il nous agrémentera de petites phrases forcément mal comprises, comme « J'emmerde les Français »,« Je traverse la rue et je vous trouve un emploi », dans un pays où le taux de chômage est très élevé, c'est ballot. Des Gaulois réfractaires au changement, et ma préférée, une gare est un endroit où on croise des gens qui ne sont rien. Ces derniers apprécieront. Mais vous avez une mère, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? Mais il y a mieux, c'est quand il part à l'étranger. Et alors là, tout le monde aux abris. Les ambassadeurs et les diplomates français tremble à l'idée qu'il puisse venir. Manu, surtout, non, ne viens pas, je t'en prie. Parce que, il faut bien l'avouer, Macron à l'étranger, c'est un peu un mélange entre Tintin au Congo et OSS 117. Oubliez le temps béni des colonies. Ils sont indépendants maintenant. Ah là, vous m'avez attrapé, Armand. C'est-à-dire un éléphant dans un magasin de porcelaine. Par exemple, au Maroc, il déclarait il y a quelques semaines que les relations étaient bonnes et amicales pour que le même jour, le roi du Maroc déclare à son tour que les relations ne sont ni bonnes ni amicales avant
de geler les relations diplomatiques avec la France quelques semaines plus tard. Prends ça, Macron. Manule, en même temps, entre le Maroc et l'Algérie, ça marche pas vraiment. Puis au Congo, où notre Rintintin national débarque pour dire au président que si le pays voisin envahit l'est de son pays, ben, c'est en fait c'est de sa faute. Pour ensuite aller danser en boîte de nuit le soir alors que 2 millions de personnes manifestent contre lui en France. Très belle image. Par contre, s'il y a une chose pour laquelle Macron est très doué, c'est la câlinothérapie. Regardez-moi ces moments de tendresse intense avec Trump, Trudeau ou Mbappé. Ah, my little darling, it is love at first sight, is it not? No? Voilà le futur de Macron. Et s'il veut augmenter l'âge de la retraite des Français, les Français, eux, voudraient qu'ils prennent une retraite anticipée.